raconte, s'il te plaît, c'est agaçant. Je souhaiterais parler à Greta Weiss. Non, non, je suis désolé, c'est d'une extrême importance. Allô, Greta Weiss. Qui est à l'appareil? Hoffman. Joseph Hoffman. Je suis un ami, un bon ami d'Alain Keeble. Alain? Vous avez connu Alain? Oui. Et j'ai à vous donner de ses nouvelles. Des nouvelles? Mais Alain est mort. Il faut que nous nous voyons et que nous en discutions. Écoutez, pouvons-nous nous voir tout à l'heure vers les 9h? Mais je ne vous connais pas, voyons. Venez me rejoindre au coin de Kartner et Zingerstrasse à 9h. 9h, d'accord? Et comment vous reconnaîtrai-je? Ayez un petit paquet entouré d'un ruban. Et qui êtes-vous? Et qu'avez-vous à me dire sur Alain? D'abord, excusez-moi pour la brutalité, mais je suis à bout de force. La première partie de la question n'a aucune importance. Alors passons à la deuxième, voulez-vous? Alain est un homme seul. Il ne lui reste que vous. Mais Alain a été abattu. Mais non, il est en vie. Ça fait à peine 2 jours que je l'ai vu à Bratislava. Il espérait revenir dans votre pays avant 1 ou 2 semaines, ici à Vienne. Non, non. Écoutez, il a un délicat travail pour vous. Mais attendez, lâchez-moi. Votre aide lui est indispensable. Est-ce qu'il peut y compter? Est-ce qu'il peut vous faire confiance? Oui ou non? Je suis tellement surprise. Oui, je suppose. Je ferai tout ce que je pourrai pour l'aider. Merci. Entrez en contact avec Jason King. Dites-lui de venir à Vienne. Jason King, l'écrivain? Oui, dites-lui qu'Alain Keeble a besoin de son aide. Mais je suis incapable de dire si Jason King allait être... Il viendra. Ce sont de vieux amis d'enfance, du temps où ils étaient à Hong Kong. Et maintenant, ce King est un des seuls qui soit susceptible de lui aller... Jason King. Variation sur un thème. Scénario, Philip Broadley. Réalisation, Cyril Frankel. Facture, facture, facture. De Vienne personnel. Ah. Cher Monsieur King, je vous écris pour une affaire urgente. Elle concerne votre ami Alain Keeble. Venez immédiatement à Vienne. Descendez à l'hôtel Sacher. Je compte sur vous, Greta. Alain Keeble. Il est mort.
Alexandra, entrez. Ah, vous êtes toujours aussi ravissante. Merci, colonel. Servez-vous un verre de vodka. Non, c'est le mien. Je vais vous en donner un propre. Oh, je n'en serai pas morte, colonel. Non, mais vous ne croyez pas que je vais vous laisser boire seul. Qu'on me laisse tranquille pendant une trentaine de minutes. Alexandra. C'est rare. Quoi donc? Un cactus en fleurs. Oui, alors ça nous portera chance, peut-être. Keeble? Oui, Keeble. Tous nos renseignements indiquent qu'il va se rendre à Vienne. Hoffmann est entré en contact avec son ancienne fiancée, Greta Weiss. Et de plus, il y a une heure, j'ai reçu un nouveau message. Il nous apprenait que Jason King est arrivé dans cette même ville. Jason King? C'est un ami d'enfance de Keeble. Tout est écrit là. C'est une coïncidence? La venue de King? Peut-être pas. En tout cas, je crois qu'il est temps pour vous de vous rendre à Vienne sur le champ. Tout est prévu. Vous allez voyager avec un passeport suédois. Il faut que Keeble n'établisse de contact avec personne, ni avec Jason King. Oui, j'ai compris. Bien, John, qu'en pensez-vous? Keeble a été signalé en vie à plusieurs occasions. C'est vrai. Mais cette fois, tous nos renseignements s'accordent à le dire. Quand Jason King est-il arrivé à Vienne? Il y a 2 jours. Bon, ça ne prouve rien du tout, n'est-ce pas? Non, non, c'est exact. Mais c'est un ami de Keeble. À en croire Frey, il vient de refuser d'aller faire une tournée dans les collèges de jeunes filles. Il a dû avoir peur. John, un peu de sérieux. Quand on parle de Keeble devant moi, je deviens tout de suite très sérieux. Je crois que vous devriez y aller et prendre la température. Je suis ridicule. Oui, entrez. Un message pour vous, monsieur. Ah, merci. Attends une minute. Viens par ici. Voilà pour toi. Merci, monsieur. Oh, mais c'est moi. Je vous attendrai devant le bureau de renseignement du centre d'accueil touristique à 3 heures. Je porterai un paquet rouge, Greta. À 3 heures. Realist. Ich bin überzeugt, dass wir nach den Wahlen nicht, ich sagte nach den Wahlen und nicht, wenn wir siegen, dass wir unsere Rechte halten werden und unser Programm durchsetzen. Es hat gar keinen Sinn, dass ich die Präsidenten mache, die ich nicht halten kann, denn bei den Netten. Thank you.
Allô? Ici le 302. Êtes-vous sûr qu'il n'y a aucun message pour moi? Merci. Oui? Non, 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 à part celui de ce matin. C'est le seul? Entendu. Ah, j'attends vos explications. Pourquoi n'êtes-vous pas venu à l'endroit convenu? Oh, mais entrez, voyons, entrez. Vous avez voulu jouer les Mark Kane. J'ai horreur de parler tout seul. Sprechen Sie Deutsch. Oh, oui, entre autres. Vous êtes ravissante. Mais où étiez-vous pendant tout ce temps? J'ai sonné tout à l'heure, mais vous étiez sortie, alors j'ai attendu à côté. Vous avez attendu à... Vous êtes Greta? Ulrika. Ulrika Nilsson. Vous vous moquez de moi? Je suis envoyée par le journal L'Étoile du Matin pour couvrir la grande foire. Mais je n'ai aucun rapport avec cette foire. Non, bien sûr, mais quand j'ai appris que nous étions descendus dans le même hôtel, j'ai espéré que vous accepteriez de me recevoir. Vous avez de très nombreux lecteurs en Suède, Monsieur King. Pas seulement en Suède, j'espère. Comment est-ce que vous vous appelez? Nilsson. En tout cas, je vois que vous regrettez mon intrusion. Oh non, 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 c'est moi qui vous prie de m'excuser. J'ai eu un après-midi plutôt ennuyeux. Ce reportage est important pour moi, Monsieur King. Si vous voulez, je pourrais revenir un peu plus tard. Quand je serai moins agressif. Je ne voulais pas dire ça. Je voudrais réentendre votre nom d'abord, de votre bouche. Ulrika. Il est si extraordinaire. Deux reines de mon pays s'appelaient Ulrika. Deux, c'est tout. Ulrika. Ça me plaît beaucoup. Oui, bien sûr, je répondrai à vos questions. Je vais commander à boire. Vous savez ce qu'on rapporte sur votre compte, Monsieur King? Quoi donc? On dit que vous êtes complaisant. Et c'est exact. Pour les très belles femmes ou alors pour les très laides? Quelle catégorie est la mienne? Excusez-moi. Allô, Jason King à l'appareil. Allô? Oh, je m'excuse d'être pas apparu au rendez-vous, mais c'est parce que deux hommes étaient sur vos talons. Une petite minute. Et c'est une très importante communication d'affaires. Ça ne vous ferait rien si nous reportions notre conversation? Non, bien entendu. Merci. Tac. Allô, je vous écoute. Vous êtes Greta? Oui, je dois vous parler. Où vous voudrez. Thank you.
J'ai deux mots à vous dire, monsieur King. Qui êtes-vous et pour qui travaillez-vous? Ça n'a pas d'importance. Je voudrais seulement vous avertir. Je vous écoute. Eh bien, si vous en veniez au fait. Oh, c'est très clair. Vous allez quitter Vienne dès demain. Ou alors? Écoutez, vous partez, monsieur King. Voulez-vous avoir la délicatesse de retirer vos mains de mon costume ou alors je... Alors, que vous a dit King? Pas grand-chose. Vous lui avez parlé? Oui. Et King m'a clairement répondu. Ah oui? Un classique direct dans la figure. Il se prend pour Mark Kane. Ça n'a pas réussi avec Martin, en tout cas. Il l'a assommé? Pour le compte. Bien. Il est obstiné, ce King. On peut être sûr qu'il restera là. L'important est de savoir où est Kibble. C'est en surveillant King qu'on l'aura. Oui, sauf si l'un des nombreux agents étrangers trouve Kibble avant lui. Ou s'il tue King. Oui, je n'y avais pas pensé. Oh. 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 Oui, entrez. Votre champagne, monsieur. Merci. Désirez-vous que je le serve, monsieur? Non, merci. Je crois que je saurais le faire tout seul. Vous voyez, monsieur King, je suis persévérante. Oui, et moi prévoyant. Il y a deux verres. Vous prendrez cette veste et vous la ferez nettoyer et repasser si c'est possible. Bien sûr, monsieur. Merci. Je vois que vous êtes venu travailler. Que pensiez-vous? Je suis optimiste. Je ne comprends rien du tout. Tant mieux. Ah oui, le plaisir après le travail. Asseyez-vous. Et maintenant, monsieur King? Oh non, Jason. Comme vous voudrez. Ah, les intellectuels m'énervent. Pourquoi? On ne peut pas leur faire confiance. Vous le pensez vraiment? Une fraise? Non, merci. On vous a mis en garde. Peut-être bien. C'est bien triste. Je ne fais jamais ce qu'on me dit. C'est dangereux. Oui, justement. Je crois entendre votre héros, Mark Kane. Ah. Oh! Mais qu'y a-t-il? J'ai une affreuse migraine, provoquée par un torticolis. Asseyez-vous. Décontractez-vous. Pas facile. Oh, oui. Oh. Je sens que vous êtes contracté. Vous avez sûrement de gros ennuis. Ah, c'est donc pour ça. Ou des inquiétudes. C'est bien pire que ça. En tout cas, vous savez les faire oublier. Vous avez des doigts de fée, vous savez, Ulrika. Oh, merci. Pourquoi êtes-vous venu à Vienne, Jésus? Encore à droite. Je ne sais pas très bien encore. Oh, oui. Pour y situer un nouveau roman? Peut-être bien. Vous avez quand même une raison. Pour le moment, je n'ai aucune idée en tête. Vienne est l'endroit parfait pour une intrigue compliquée. On y a déjà développé la meilleure. Le troisième homme? Oui, c'était génial. Doit-on le laisser sonner? Non, j'y vais. Une autre importante communication. C'est possible, c'est probablement mon éditeur qui me harcèle. Laissez-moi une dizaine de minutes, d'accord? Oui, d'accord. Mais vous comprendrez que je n'ai plus confiance dans vos rendez-vous, Greta. Mais il le faut, je vous le promets. Et moi, je vous promets que je n'irai qu'à un rendez-vous fixé par moi-même. Ce soir, après 10 heures, je me trouverai au cercle Vin. Je jouerai à la roulette. Oui, c'est un jeu où on ne risque de perdre que de l'argent. Vous saurez me reconnaître. Ah oui, j'ai un de vos livres, avec une photo sur la couverture. Oh, elle ne me flatte pas du tout.
Je plaisantais. Il faut être optimiste. Rien ne va plus. Rien ne va plus, monsieur. 13, noir, impair, monte. Et cette fois, ça a payé. Êtes-vous jeu, mesdames, messieurs? Êtes-vous jeu? Monsieur King? Oui, c'est exact. Greta? Oui, bien sûr. Alain est un homme de goût. Asseyez-vous. Vous me portez chance. J'ai très peur, Monsieur King. Greta comment? Greta Weiss. Très bien. Reconnaissez-vous quelqu'un dans cette pièce? Monsieur? Non, non, personne. Vous deviez m'appeler. Je vous l'ai dit, j'avais trop peur. Il n'y a pas de raison. Oui, je sais, mais je n'ai pas l'habitude de tout... Calme. Du calme. Si on parlait un peu d'Alain. C'est cet homme. Depuis le commencement. Eh bien, ça faisait déjà pas mal de temps que j'avais. Reprenez tout. Un homme qui était envoyé par Alain s'est fait assassiner, tuer, juste devant moi. C'était horrible. Vous lisez sur ses lèvres? Oh oui. Elle lui dit qu'elle n'a eu aucune nouvelle de Kibble. Qu'elle a parlé à Joseph Hoffman et qu'on l'a fait taire. Et entre vous deux? Nous sommes restés un an ensemble. Et j'ai passé vraiment un an merveilleux. Oh, c'était fantastique. Oui, ça, je veux bien le croire. Alain peut être charmant quand il le veut. Ceux d'en face savent tout sur vous, ils savent tout sur Alain. Ils ont dû me repérer. Et je ne savais rien. Je n'avais aucun soupçon sur la vie secrète d'Alain. Un homme dans sa situation ne se confiera jamais. Un agent double est un solitaire. Mais qu'est-ce que je dois faire, Monsieur King? Attendre qu'Alain se manifeste. Il vient de lui dire qu'il fallait attendre qu'Alain se manifeste. Alors il ne nous reste plus qu'une chose à apprendre. C'est inutile de continuer à nous exposer. Et nous pourrons aborder King quand il partira du cercle. Il n'y aurait pas moyen d'avertir Alain. Non. Si un homme s'est resté introuvable, c'est bien Alain Kibble. Pourquoi veut-il me voir? Que devrais-je faire quand j'aurai des nouvelles? Monsieur King... Oui, je pensais justement à ça. Misez pour moi, voulez-vous? Je vais faire remplir mon verre. C'est le seul moyen de stimuler mon imagination. Coates, qui est cet homme avec une pochette rouge et des lunettes sombres? C'est l'un de nos directeurs, monsieur. Oh, merci. Bonsoir. Vous avez gagné? Eh bien, levez-vous et venez à l'écart. Je pense qu'il faut un code. Un code? Oui, pour communiquer.
Mais, monsieur King... Et quand Alain sera en rapport avec vous, faites-le moi savoir et ne le dites à personne. Mais voyons. Je sortirai après avoir mis au point notre code. Attendez 20 minutes avant de partir. Mais voyons, ça va être très dangereux. Écoutez-moi. Sur le voilà. Oui. Monsieur King? Oui. Montez donc, monsieur King. Oh, voyez-vous ça? C'est très mélodramatique. Que feriez-vous si je décidais de m'en aller? Je vous tuerais. Oh. Montez. Avec plaisir. Je ne suis pas armé et je n'ai pas toutes ces dernières trouvailles qui fleurissent chez vos collègues, alors c'est inutile de me viser comme ça. Eh bien, où allons-nous? J'espère que nous allons bien nous amuser. La fumée ne vous dérange pas? Votre silence me laisse toute liberté. Clic. Le suspense est intenable. J'espère qu'il va durer. Pour nous tous. Seraient-ils des martiens déguisés? Ou de nouveaux envahisseurs? Non, ça me paraît peu probable. Oh tiens, il me ramène à mon hôtel. Ça, c'est gentil, alors. Vous allez regagner Paris. Voici un billet d'avion pour le vol de demain à midi. Prenez-le, King. Dire que je croyais être populaire à Vienne en venant ici. Il n'y aura plus d'autres avertissements pour vous, monsieur King. Oui, je comprends. Mais je ne voyage jamais en classe économique. Monsieur King, ça fait déjà un moment que je vous attends. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous préviens, je me sens d'humeur belliqueuse. Oh, considérez-moi comme un ami. Ah, mais alors voilà qui change tout. Oui, je me tracassais pour vous. Je ne savais pas comment ceux d'en face vous traitaient. Oui, j'ai compris. Il suffit de voir où en est le niveau du whisky. Eh bien, parlons de cette affaire. Oh, mais au fait, votre appareil téléphonique est sous écoute. Qui a le bonheur de m'écouter? Nos adversaires, bien sûr. Mais il ne faut rien toucher pour le moment. Nous voulons éviter qu'ils sachent que nous savons. Vraiment? Oui, pas encore. J'ai décidé, en vous voyant, d'avoir confiance en vous, monsieur King. De demander votre coopération. Après tout, vous occupez une place idéale. Voulez-vous coopérer? Ça dépend d'abord de la durée de ce que vous avez à me dire. Je viens de passer une journée éreintante. Eh bien, je pense que vous savez l'essentiel, alors ce ne sera pas très long. D'abord, Greta. Greta Weiss. Oh. Alain.
Oh, bonjour, Jason. Bonjour, Ulrika. La journée s'annonce magnifique et j'en profite pour venir vous accorder ce reportage. Ah oui, merci. Mais donnez-moi 5 bonnes minutes. Je vais commander le petit déjeuner. Très bonne idée. Qu'est-ce que vous prenez? Moi, rien du tout. C'est pour le petit déjeuner. Accordez-moi seulement 2 minutes. Prenez votre temps. Je ne suis pas du tout pressé. Oui? Je voudrais que vous montiez quelques fraises et du champagne. Si, vous en avez. Ici Jason King. Chambre 303. Merci. Ça y est, Jason, je suis tout à vous. Oui, je viens de commander le champagne. J'ai tenu à vous remercier pour cette soirée vraiment magnifique. Et je me demandais si vous seriez libre cet après-midi. Oui, bien sûr, dites-moi seulement où. Pourquoi pas sous la grande roue à la foire, disons vers les 3 heures. À 3 heures sous la grande roue? D'accord. À tout à l'heure. Jason! Jason, par ici! Jason!
Ça faisait longtemps, hein? Oui, très longtemps. Tu as l'air bien. Oui, ça peut aller. J'ai appris la mort de Marianne. Tu sais, j'aurais bien aimé te faire signe ou t'écrire, mais... Vous étiez heureux? Oh oui, pleinement. Ça, crois-moi. Tu sais, je n'avais pas cru un instant qu'elle se marierait avec toi. Pourquoi? Je n'ai rien à envier à personne. C'est vrai. Tu as vu Greta? Oui. Leur ressemblance est assez étonnante. On dirait deux sœurs. C'est pour ça qu'elles t'attirent. On dit qu'on aimera le même type de femme pendant toute sa vie. Je serais étonné que tu m'aies dit de venir ici pour parler de notre vie sentimentale. Est-ce que tout ce que j'ai appris sur toi est vrai? Non. C'est pire que ce que tu as lu. Nettement pire. C'est bien triste. Triste? Il n'y a pas de raison, vraiment. Parce que j'ai choisi cette existence pourrie. Mais j'étais loin de me douter de la vie qui m'attendait et de toute cette ordure que j'allais rencontrer. Pourquoi m'as-tu appelé, Alain? Je voudrais revenir en Angleterre. Après ce que tu as fait? J'ai un calepin plein de notes. Mais très complet, avec beaucoup de noms. Des officiers de très haut rang, quelques hommes politiques, tous largement payés par les pays d'en face. Je voudrais que tu contactes le Premier ministre immédiatement et qu'il garantisse mon immunité en échange de renseignements précis. Mais essaye, Jason. Essaye et fais-moi savoir la réponse demain. Il faut que je te laisse maintenant. Le parc est certainement très surveillé. Est-ce que tu as une cachette? Tout près de chez Greta, un coin tranquille. Ce coin, personne ne le dépasse. Alain... Excuse-moi, mais je dois m'en aller. Tu sais que j'aimerais rester quelques instants. Tu le sais, hein, Jason? Allez, je te fais confiance. Bonjour. Entier bonjour, M. King. Un autre café, voulez-vous? Tu es un peu tôt pour un café. Je prendrai un whisky. Bon, alors, un grand whisky. Vous avez la réponse? Oui, elle est arrivée. Mais ils ont vite répondu. Et comme nous le craignons, c'est négatif. Il fait beau aujourd'hui, hein? Alors, ça règle l'affaire. C'est curieux, vous n'avez aucune idée de la manière dont vous avez semé mes hommes. J'ai bien peur d'avoir encore à employer mon truc. Peut-être pas. Tout nous laisse supposer que vous allez voir Keeble et lui apprendre le verdict. Et alors, vous allez me faire suivre? Oh, vous en voulez une? Vous avez éludé ma question. Ça ne vous dérange pas si je fume. Un peu de glace? Est-ce que vous jouez exprès, l'imbécile? Je veux le calepin, King, et à n'importe quel prix. Essayez-vous de dire que je devrais trahir Keeble? Cela? Le feriez-vous? Non. Des scrupules? Il n'en faut pas dans notre métier. Je ne suis pas dans ce métier. Je vous laisse votre sale travail. C'est une réponse très nette. J'espère qu'elle est claire. Oui, mais je me devais d'essayer. Après tout, nous ne jouons pas au cricket, n'est-ce pas? Non, et c'est heureux. Très bien. Dites-lui que la réponse est non. Mais que de mon côté, j'ai un marché à lui offrir. Pour les renseignements qu'il possède, il aura toute latitude de choisir un pays d'Amérique du Sud. Il peut y croire? Vous avez ma parole. Qu'est-ce qu'elle vaut? Je tiens toujours ma parole, Monsieur King. Curieux changement de situation. C'est un curieux métier que le mien. Vous allez continuer à coopérer? Si on me laisse faire. Vous avez ma parole. Thank you.
Eh bien, qu'a-t-il répondu? Je l'ai attendu pendant plus d'une heure sans qu'il arrive. Ils sont excellents. Eh bien, je suppose que nos ennemis ont pu le convaincre. Vous pensez qu'ils l'ont tué? Ulrika. Ulrika. Est-ce que vous savez où est Ulrika Nilsson, s'il vous plaît? Je ne vous entends pas bien. Oh, elle a quitté l'hôtel. Oui, d'accord. Il n'y a pas de message? Non? Entendu. Merci. Alain est là? Non, je ne l'ai pas vu depuis l'autre jour. Il a appelé? Non, mais vous lui avez parlé hier. Oui, mais je devais le revoir aujourd'hui. Il n'est pas venu? Non, je l'ai attendu une heure. Vous croyez qu'il lui est arrivé quelque chose? Il a peut-être vu qu'on le suivait. Ou bien peut-être qu'on l'a battu. Il y a beaucoup de gens qui espèrent le voir mort. Pourtant... Pourtant quoi? Eh bien, il est malin comme un chat de gouttière. Il sait comment faire pour éviter le pire. Alors, ce n'est pas trop grave. Non, il a dû se rendre compte qu'on me filait. Alain a parlé d'une cachette située près d'ici. Il ne vous a pas dit où elle était. Non, non, il n'a rien dit. Attendez un instant, je crois avoir une idée. Vous savez où c'est? Votre immeuble est le plus haut de Vienne. Mm-hmm. Alors, il dépasse la ville entière. Oui. Y a-t-il moyen de monter sur le toit? Oui, il y a une trappe dans la cage de l'escalier. Elle donne sur le toit. Attendez, je viens aussi. Non, non, j'y vais tout seul. Ça vaut mieux si quelqu'un nous observe. Mais promettez que vous reviendrez. Je le promets. Comme tu le vois, Vienne devient une ville trop dangereuse pour moi. Je suis obligé de m'en aller. Quelle réponse t'a-t-on donnée? Dis à Greta simplement oui ou non. J'essaierai d'entrer en contact avec elle. Merci, Al. Mais comment Alain savait-il que vous trouveriez cette note? Il y a un PS.
Je parie que tu vas trouver cette note avant les autres, Jason. Tu as toujours été très fort pour additionner 2 et 2. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par oui ou non? Non, ça n'a pas d'importance. Vous lui direz, si jamais vous le revoyez, que la réponse est non. Servez-moi un whisky. Et remplissez bien le verre.